Salut et bienvenue les amis de www.gospelcross.net. C'est le jour J, le 27 mars. Nous sommes ici au concert. La sortie officielle de l'album Ça a été difficile de Frère Grâce Mutombo. Et Gospel Cross vous donne l'opportunité de vivre l'événement comme si vous étiez sur place. Et là, nous sommes tout juste à l'entrée et vous allez voir et vivre l'événement. Vous allez voir comment les gens sont en train de payer et entrer. Ça a commencé un peu timidement, mais ça va déjà. Nous sommes en train de remarquer que les gens sont en train d'entrer et les places sont en train de se remplir petit à petit. Et vous constatez avec moi, c'est un frère qui vient de payer son DVD et son billet. Et avec Gospel Cross, bien sûr, vous allez vivre l'événement. Bonjour Frère Joseph. Bonjour papa. Vous avez eu le temps d'écouter et de suivre l'album de votre petit Grâce Mutombo. Quelle impression sur cette œuvre que Grâce Mutombo vient de réaliser? En fait, Grâce c'est un petit bien qui évolue bien. Nous sommes en train de voir comment Dieu fait grâce. Et c'est une œuvre qui nous inspire confiance, raison pour laquelle vous voyez notre présence à cet endroit. Et il a votre soutien total? Certainement, d'abord par cette présence et bien d'autres conseils qu'on se donne, et il a vraiment mon soutien total. Quel rendez-vous vous donnez au peuple de Dieu qui vous suit partout dans le monde? Chiron nous a déjà informé que vous êtes en plein studio. Quel rendez-vous vous fixez le peuple de Dieu qui vous suivent sur Gospel Cross? Pour tous les peuples de Dieu qui nous suivent partout dans le monde, on leur dit qu'à très bientôt. À très bientôt, l'œuvre est déjà là, c'est presque fini. Une œuvre intitulée Jubilé, bien sûr, ils auront le temps de bien savourer ce que Dieu aura pourvu pour eux cette fois-ci. Amis de www.gospelcross.net, le rendez-vous est fixé, son album va sortir à très bientôt et on aura le temps de développer avec lui dans l'artiste et son art. À très bientôt. Oui, les amis de www.gospelcross.net, nous avons l'homme, les concernés, il est sur place, Frère Grâce. Bonjour mon frère. Et est-ce que vous êtes surpris de voir aussi tant de monde? Je ne suis pas surpris parce que je sais que quand Dieu donne un don, lui est un don, il va aussi appeler le même don pour soutenir le même don. On vous avait promis de vivre ça comme si vous étiez sur place. C'est Frère Grâce, l'homme en personne. Frère Grâce, que Dieu vous bénisse. Bon, c'est juste pour soutenir ces enfants de la moisson qui chantent. Donc c'est comme ça que nous sommes là, pour vraiment les soutenir. Et soutenir les autres même pas des gens de cette église ici, même d'autres églises, et qui veulent nous consulter pour les venir en aide, on le fera. Frère Hervé, vous avez toujours à dire, parce que vous avez reçu Frère Grâce ces jours-là. C'était juste pour les déstresser en communion, c'était bon. Et je vous promets que vous allez avoir ces images en illustration de la communion qui s'est passée cet été Maccabi. Un mot pour Grâce Mutombo. Oui, c'était... Merci d'abord. Je salue tout le monde de Gospel Cross. Je vous aime beaucoup. Et je voulais seulement dire que nous sommes là pour soutenir notre bien-aimé frère, Grâce, pour ce concert, sa sortie officielle de son album. Alors, comme vous l'avez dit, vous l'avez souligné, nous étions chez Tété Maccabi, notre maman, notre soeur, notre précieuse, pour essayer un peu de l'encourager, donner un peu de la force pour cette grande journée. Donc je pense que nous sommes là pour essayer un peu de l'aider et puis aider le corps de Christ. Voilà. Ça a été difficile.
atterrissage forcé. Et le diable là où il se retrouve, il pensait que je n'allais pas monter. Mais quand même je suis là. Thank you.
applaudissements là. Thank you.
Amis et fidèles de Gospel Cross, les concerts viennent de prendre fin maintenant. Je vous assure que l'ambiance a été festive et c'était chaud aujourd'hui. Kabisor, t'étais ma Kabi, bonsoir. Bonsoir Gospel Cross. Quelles sont vos impressions après ce beau concert, Moi je dirais le concert a réussi. Ça a été difficile mais ça a marché. Donc je remercie le peuple de Dieu d'être venu si nombreux pour soutenir le frère Grâce. Donc c'était bien du début jusqu'à la fin. Je remercie le Seigneur pour ça. Merci. Et là nous entrons dans les loges où était le musicien. Comme vous les voyez, comme vous les remarquez, ils sont tous là. Et personnellement, le frère Grâce Mutombo est là et tous les musiciens. Je préfère commencer avec une sœur, l'une des personnes qui ont prêché aujourd'hui. Bonsoir. Bonsoir. Après ces concerts reçus, quelles sont tes impressions? Bon, nous remercions seulement le Seigneur parce qu'il a permis que ça se passe bien et nous sommes vraiment dans la joie. Vous êtes dans la joie. Vos sœurs, vous vous appelez comment? C'est la sœur Mélodie. Sœur Mélodie. Sœur Mélodie. Après ces beaux concerts, malgré des petits problèmes, quelles sont vos impressions? Je peux dire seulement que le Seigneur est merveillé parce que je manque même à dire, mais juste de dire merci, parce que c'est lui qui organise toutes choses. Que son nom soit béni. Regarde un peu cette caméra et dis un mot à tout le peuple de Dieu qui vous suit dans le monde. Je sais que les peuples de Dieu sont bénis, que Dieu vous bénisse. Nous vous aimons. Et l'artiste est là, Frère Grâce François. Bonsoir mon frère. Nous savons que vous êtes fatigué, vous venez d'une prestation et après ces concerts réussis. Regarde cette caméra, dis aime-moi tout le peuple de Dieu qui vous suit dans le monde. Vraiment, d'abord le mot que j'ai est positif. Je sais qu'il a été dit qu'il est maître de temps et des circonstances. J'ai vu le peuple de Dieu venir
il y a eu un monde, peut-être ce que moi je ne pensais pas. J'ai vu les gens qui ont eu à attendre jusqu'à ce que j'aie à monter. Et c'est cela qui m'a d'abord beaucoup plus attiré. Ça m'a beaucoup frappé quand j'ai vu cet acte-là. Ce que je peux dire au peuple de Dieu pour l'instant, c'est que Dieu vous bénisse. Le don, c'est Dieu lui-même. Quand Dieu envoie un don, il envoie aussi un public. Il envoie aussi toutes sortes de personnes qui peuvent soutenir le don. C'est pourquoi vous avez vu ces gens-là qui étaient là. Bien qu'il y ait eu des caprices et tout ça, mais le Seigneur est toujours bon pour nous.